Au milieu de la carte d'Allemagne et des jouets, nous pouvons retrouver Steffi, la lectrice du projet Deutsch Mobil. Ich habe Deutsch studiert. Deutsch an der Universität. Und ich habe Französisch studiert an der Universität. Französisch. Deutsch. Französisch. An der Universität. Et les élèves ont terminé avec un petit jeu. Après l'activité, les élèves ont le droit à quelques triangles. Je suis Madame Brunet, professeure d'allemand au Collège du Paty depuis cette année. D'accord. Alors, j'ai rencontré Steffi par le biais du Goethe-Institut. Le Deutsch Mobil est une association que je connaissais déjà depuis un certain temps. Donc j'ai appelé le Goethe-Institut et c'est Steffi qui est venue faire l'intervention. D'accord. Pourquoi avez-vous demandé à Steffi de venir ? Pour promouvoir l'allemand et pour aider les élèves dans leur choix qu'ils auront à effectuer dans quelques semaines. À savoir choisir la LV2, donc l'italien, l'espagnol ou l'allemand. Et c'était une manière justement de montrer aux élèves ce qu'était l'allemand, la langue et la culture. D'accord. Pensez-vous que les élèves ont été intéressés par cette expérience ? Je pense à ce que j'ai pu voir dans les classes. J'ai trouvé que les élèves étaient assez enthousiastes, qu'ils avaient bien participé. Je pense que le retour devrait être positif. D'accord. Y a-t-il eu des retours positifs de la part des élèves ? Juste en fin de séance, apparemment, oui, ils se sont bien amusés. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça va influencer leur choix, mais en tous les cas, ils choisiront en tout état de cause. Voilà. Ils sauront à quoi s'attendre. Merci beaucoup. De rien. Et pour terminer ce reportage, voici quelques créations des élèves de la classe d'allemand.